together, we can rule the galaxy far from sun. Don't know the power of the dark side. Donc ça fait depuis 2h15 comme je l'ai dit tantôt, que j'ai toujours pas dormi, genre je peux avoir une bonne tête de déterré, donc pour vous dire à quel point les insomnies parfois c'est hardcore. Donc on va continuer sur timelapse. Alors voilà un petit peu pour l'instant le TBTT à quoi il ressemble. C'est assez grand, franchement, pour l'instant. Hein. C'est pas encore complet évidemment. Il est relativement grand, c'est assez cool, on va le mettre. Voilà. Je vais le mettre ici comme ça. Il est assez grand, c'est pas mal. Alors, où est-ce qu'on était arrivé? Allez, c'est parti les gars. Don't make me destroy you. Join me. And together, we can rule the galaxy far from sun. He's no good to me dead. Yo les amis, nous revoilà ici après environ 2 heures de montage pour ce fameux set 8129, donc le TBTT ou plutôt ATAT en anglais. On peut voir ici un peu à quoi il ressemble. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu d'abord un aperçu de la petite bataille que ça crée. Donc nous avons ici le TBTT qui est relativement grand, il fait 35 cm de haut. Bon, évidemment, à l'échelle, pour un, c'est un peu con parce que le TRTT est plus grand que lui en collector, mais bon voilà. Donc on a le TBTT avec Luke Skywalker qui est accroché ici, comme dans le film quand il s'accroche pour ouvrir en dessous et lancer une grenade et le faire exploser. Quand on ouvre le TBTT, nous avons le général Virs là-dedans qui est dans son petit poste de commande. Bien que dans le film ça soit dans la tête, mais bon voilà, par manque de place ils ont mis ça là. Les pas du TBTT bougent, bon durant je ne vais pas les bouger parce que j'ai chié pour les mettre comme ça. Parce que elles bougent, mais bon, pour trouver l'équilibre ça c'est autre chose. La tête du TBTT est rotative et si elle s'ouvre, nous avons ici un pilote de TBTT. Voilà, le set inspire vraiment la solidité parce que c'est pour environ 1000 pièces. Allez, il est bien construit, c'est assez cool. Bon, la construction est un peu répétitive une fois que les 4 pattes sont faites et que le côté est fait. Il n'y a que le centre et la tête qui sont vraiment cool à faire. Même si l'ensemble j'adore, mais je veux dire vraiment différent l'un de l'autre. Au niveau des soldats, on a un Snowtrooper sur une petite motojet neige, de couleur neige.
un Snowtrooper normal, enfin encore un, et encore un ici, donc 3, 4 Snowtroopers. On a un petit poste d'observation avec un lance-missile intégré, donc avec un officier impérial qui observe à ses jumelles, bien que, hop, voilà, ça sera un peu mieux mis comme ça, en fonction de son regard, avec un pilote de TBTT qui est de nouveau au poste de lance-missile. De l'autre côté, on a une espèce de petit char rebelle avec tourelle et deux roquettes, une parabole laser avec quelqu'un, une parabole laser où il n'y a personne, enfin une parabole, une tourelle quoi. Encore un soldat rebelle et un pilote de Snowspeeder qui les aide, avec encore ici un soldat rebelle, donc au total on a 4 soldats rebelles, un pilote. C3PO qui est vraiment exclusif pour ce set, avec Han Solo qui le protège, voilà, je voulais faire un petit peu les scènes du film. L'occurrence, j'ai la princesse Leia, Chewbacca de mon X-Wing que j'ai pu mettre avec eux, mais bon voilà, on n'a pas trop surchargé l'ensemble. Et on va passer au plus important, c'est quand même la carte UCS, donc le collector. On peut voir ici, Imperial All Terrain Armored Transport, donc de d'où le AT-AT, qui fait donc environ 20,6 mètres de hauteur, avec une vitesse de 60 km par heure sur tout terrain. Comme capacité, donc il a un pilote, un artilleur, un commandant, 40 soldats et 5 speederbacks, donc c'est-à-dire ceci. Au niveau des armes, attendez, est-ce que j'ai un peu du mal avec ça? Il a deux canons moyens, avec un FF4 à l'arrière, je pense bien que c'est ça, et deux canons lourds, donc en gros, ils sont là, voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, donc je vous dis prenez soin de vous, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Moi, en tout cas, ce set collector que j'ai eu grâce à mon cousin m'a vraiment fait plaisir, parce qu'il faut savoir que ce set coûtait 100€ à l'époque, en 2010, il vaut actuellement 500€ pour les collectionneurs les plus fous, et par sa gentillesse, il me l'a rendu pour 70€, donc voilà, j'ai fait vraiment une affaire, et lui aussi, enfin... Lui, il voulait des besoins de sous, donc voilà. Mais je veux dire, dans l'ensemble, c'était vraiment gentil de sa part. Et de rien, je te remercie vraiment beaucoup, parce que sans toi, j'aurais jamais eu cette BTT que je voulais vraiment. Donc sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, à la prochaine pour de nouveaux timelapses, de nouvelles vidéos de Call of ou quoi. Pensez à mettre un petit j'aime si ça vous a plu, ça me fait vraiment plaisir de voir que vous aimez Star Wars, tout comme moi. Pensez à mettre un petit commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, de la construction, etc. Si vous avez des remarques à faire, à vous abonner à ma chaîne, pourquoi pas. Je vous dis, prenez soin de vous. Ciao, bye bye les amis. We got Jeff Star.